Derby de Fédéral 2 et c'est Vichy qui s'est imposé 20-16 à Cournon. Cournon qui est mené de 3 petits points pour l'instant, 6-3. Et bras cassé pour Vichy, on a mis du temps à effectuer cette touche. Eh oui. Cournon a tardé à lancer et le temps imparti était écoulé. C'est pour ça que... Et Vergniaud, l'ouverture, Vergniaud, il va aller marquer l'essai. Que va dire l'arbitre? Essai validé. Et voilà, petite cause. Solonaise qui a trop attendu sur son lancer en touche. Essai pour le FC Vichy par le numéro 3, Vergniaud. Ça chauffe encore une fois avec Touzia, me semble-t-il, à quelques centimètres, alors qu'il y a une explication là sur le bord de touche. Et l'essai condamné. Allez, les Vichysois, à l'approche des 22 mètres, ils pénètrent d'ailleurs dans les 22 mètres Cournonnais, avec Suchet pour Ocaigne maintenant. Ocaigne qui va tenter cette passe à hauteur, c'est bien fait, il va y avoir peut-être l'essai Vichysois. Et voilà, l'essai de Vichy inscrit par Hernando.